président qui prend la suite de Jean Brochier, je vous dois un petit mot d'accueil. Alors, bonjour à tous et à tous. Merci à toutes les personnes présentes à cette cérémonie. Il se veut amicale, pour ne pas dire affectueuse, et bien sûr apolitique. Au nom du CIQ de Bastide-Longue, je tiens, comme nouveau président, à remercier particulièrement Marius Mas, député honoraire, d'avoir eu l'idée et pris l'initiative d'honorer Jean Brochier pour son engagement permanent durant plus de 18 années comme président. Ce qui a produit lors de notre dernière Assemblée Générale du 17 mars, plus de 90 participants, 141 adhésions pour l'année 2017. Ce qui est exemplaire au sein du CIQ des 13e arrondissements, d'autant plus que notre CIQ se trouve exclusivement sur un périmètre résidentiel et au carrefour de 5 CIQ voisines qui sont représentées ici. Seulement 9 commerces sur la Batarelle, dont 2 viennent d'adhérer récemment au CIQ, et 11 résidences en copropriété privée. Notre dossier majeur a été de conclure dernièrement le tout à l'égout, à l'époque où il n'y en a pas encore de partout, sur certaines rues du quartier, avec l'aide de la CERAM. L'accord pour l'installation de 2 premières caméras sur le secteur, des améliorations de voirie et d'éclairage public sur la Batarelle qui dépendent de notre périmètre. Je souhaite, avec l'aide de la nouvelle équipe, composée de 15 anciens membres et de 2 nouveaux qui sont ici cooptés, dont une place particulière a été réservée à Jean Brochier comme conseiller au bureau, obtenir pour les 3 ans à venir des résultats aussi positifs pour l'amélioration du cadre de vie.